Bonjour, je suis Mia Vielle du collectif du Fonds de l'Archive et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau podcast de Graines d'Archives qui vous propose une galerie de portraits d'étudiantes et étudiants, de jeunes actives et actifs liés ou intéressés par les archives. Aujourd'hui, nous diversifions nos profils en accueillant une jeune diplômée, certes, mais pas d'une formation en archivistique. Toutefois, rassurez-vous, les archives ne sont jamais loin et touchent d'ailleurs facilement d'autres formations, d'autres travaux, favorisant la transdisciplinarité. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec Julie Dubois. Julie, bonjour. Bonjour. Tu es diplômée d'un master recherche en danse à Paris 8 et tu es ici aujourd'hui pour nous parler d'un mémoire que tu as réalisé l'année dernière et intitulé « Lever le voile sur Lisa Duncan, enquête dans les archives d'une adoption ». Je vous avais dit que les archives n'étaient jamais loin. Et cette étude a été réalisée sous la direction d'Isabelle Launay, en codirection avec Katharina Van Dyck et Laurent Pichot. Mais je vais en rester là et te laisser développer et nous dire premièrement, qu'est-ce qui t'a conduit à travailler sur les archives de Lisa Duncan ? Merci, déjà. Pour commencer, je vais peut-être expliquer qui est Lisa Duncan par rapport à Isadora Duncan. Donc Isadora Duncan, c'est une danseuse du début du XXe siècle qui fait partie de cette génération qu'on appelle de danseuses modernes qui ont révolutionné la danse en s'opposant en partie au code du ballet classique. Isadora Duncan, c'est cette danseuse aux pieds nus, en tunique légère, qui s'élance seule sur des musiques de Chopin, de Brahms, par exemple, qui fit scandale et qui décida de s'inspirer de la nature pour composer sa danse. Elle a notamment eu beaucoup d'écoles, puisqu'elle voulait former des jeunes filles à prendre conscience de leur corps et à être des femmes. Elle a eu notamment 6 élèves, ses meilleurs élèves, qui sont retrouvées être ses filles adoptives. Lisa Duncan fait partie de ses 6 meilleurs élèves, qu'on appelle les Isadorables, d'après Fernand d'Ivoire, un critique qui les a vus sur scène et qui les a surnommés ainsi. Et donc Lisa, elle a intégré la première école d'Isadora Duncan quand elle avait 6 ans, en 1904. Donc moi, de mon côté, j'ai rencontré la danse d'Isadora Duncan un peu par hasard, quand je suis arrivée à Paris en 2017, il me semble, où j'ai pris un cours avec Amy Swanson, au studio Le Regard du Cygne, et elle donnait un cours de danse Duncan. Sans vraiment savoir pourquoi, j'ai juste continué d'y aller. Et je me suis intéressée et à Isadora, et puis à ses élèves, qui sont moins connus, et qui pourtant sont les personnes grâce à qui, aujourd'hui, on a un répertoire, des exercices, une mémoire de cette danse. Alors, Lisa, de cette première génération de 6 élèves, fait partie des moins connus. Une figure effacée et oubliée de notre histoire, et c'est ça qui m'a particulièrement intriguée et touchée. Lisa a fait sa carrière à Paris dans les années 30, a fait ses propres choix par rapport à son héritage Duncan, a été beaucoup critiquée par rapport à ça. Dès lors, on a très peu de traces de son parcours, et c'est parce que je partais de rien que j'avais envie de me donner cette chance de faire cette enquête. Donc, mon premier travail, ça a été de trouver de la matière suffisamment pour pouvoir faire un mémoire sur elle. Et par le jeu des rencontres dans le réseau Duncan, j'ai eu la chance de me voir confier des archives privées qui lui ont appartenu. Quel est ton positionnement face aux archives de Lisa Duncan ? Que symbolise-t-il pour toi ? Alors, là aussi, je vais resituer cette petite histoire des archives de Lisa. Parce que, comme je l'ai expliqué, Lisa donc, a vécu à Paris dans les années 30 et les années 40. Et malheureusement, elle a dû quitter la France pour rejoindre sa ville natale, Dresde, en Allemagne, puisqu'elle était malade. Donc elle est partie en 1957. À son départ, elle a gardé quelques effets personnels, mais elle a laissé beaucoup de choses derrière elle. Et ce fonds d'archives, ce sont les quelques traces qui nous restent depuis le départ de Lisa. En sachant qu'elle a énormément perdu d'effets personnels du fait de la Seconde Guerre mondiale, puisqu'elle a quitté Paris pour se réfugier. Il faut savoir que Lisa avait de nombreux élèves, dont Odile Piros, et la mère d'Odile Piros et Lisa, qui avaient le même âge, étaient très amies. Donc Lisa a confié ses archives à la mère d'Odile Piros, qui a continué de les remplir avec des programmes de sa fille, Odile Piros. Cette dernière les a hérités quand sa mère est décédée. Odile a continué de transmettre le répertoire de Lisa et d'Isadora, notamment à sa nièce, Agnès de Guitaut, qui, au décès de sa tante, a elle-même hérité des archives.
tout en continuant de remplir ce fonds. Agnès, n'ayant pas le temps de s'en occuper, elle les a confiés à Johanna Giot et Françoise Rageau, qui sont des danseuses Duncan, mais d'autres filiations. Et finalement, Johanna les a gardées auprès d'elle avec ce désir de pouvoir en faire quelque chose, notamment de les déposer dans une institution. Quand j'ai commencé mon mémoire et que j'ai demandé si quelqu'un avait quelque chose sur Lisa, Johanna m'a dit « J'ai les archives avec moi, je suis en Ardèche, je peux venir à Paris et te les donner. » En novembre 2019, elle me donne ses archives et c'est comme ça qu'elles arrivent jusqu'à moi. Moi, mon positionnement face à ces archives, c'est qu'au début, j'étais juste là pour les consulter, puis peu à peu, j'ai commencé à les prendre en charge et c'est moi qui ai vraiment fait le pas de contacter une institution et de les déposer dans cette institution et qui ai décidé de sortir les archives du réseau intime et privé des danseuses Duncan pour les rendre publiques. Mais ce geste, en fait, était déjà présent avant moi puisqu'il y a toujours eu ce désir d'ouvrir et de partager ces archives dès Lisa. En tout cas, ça, c'est mon hypothèse. Pour continuer de répondre à cette question, j'aimerais bien revenir sur le terme d'adoption que j'utilise dans mon titre et qui est vraiment la dynamique centrale de ma recherche. Parce que précisément, quand j'ai commencé à analyser ces archives, eh bien, je me suis intéressée à l'histoire de leur conservation, de leur transmission. Et je me suis rendu compte que dans cette histoire Duncan se jouent sans cesse des adoptions. Ce qui est beau avec Lisa, c'est que c'est une danseuse qui a ouvert sa filiation, qui a inclus des non-danseurs. Et je pense que c'est grâce à elle en partie que moi-même j'ai pu me sentir légitime de prendre en charge ces archives et d'en faire ce que je voulais. Donc, pour répondre à cette question de ce qu'elle symbolise pour moi, eh bien, elle symbolise plutôt un élan, une qualité de souplesse et de douceur. Cette qualité qu'on retrouve aussi dans le geste de Lisa quand elle danse, parce que ce qui m'a marqué avec ses archives, c'est leur dimension vivante et sensible. Alors, cette dimension, elle est notamment venue de mon expérience très inédite de cohabitation avec les archives, puisque le 15 mars 2020, quand j'ai décidé de me confiner chez mes parents, eh bien, je les ai prises avec moi. Et là, on a commencé une colocation, toutes les deux, pendant 2 ans, au rythme de multiples confinements. Je vais donc citer une partie de mon mémoire où je décris en partie ce que ça a produit. Ces archives m'ont invité à goûter dans les diverses maisons familiales que j'ai habitées, les histoires de famille qu'elles portaient en elles. J'ai pu, en expérimentant une relation quotidienne avec ces dernières, apprécier leur discrétion et saisir cette dynamique qui les traverse, celle d'une adoption calme et diffuse. À ce propos, il y a plusieurs autres passages dans ton mémoire qui m'ont particulièrement marqué et que j'aimerais du coup que tu commentes, enfin que tu en commentes quelques-uns si ça te convient. Page 149 notamment, tu dis « Ce n'est pas le fond de Lisa Duncan, mais celui d'une filiation en ce qu'il témoigne des gestes de la famille Pyros envers Lisa Duncan, notamment envers sa mémoire. Lisa Duncan a rendu possible le fait que dans ses archives, sa propre figure et celle de son élève cohabitent ensemble, de concert, dans un dialogue horizontal. » Ce que je disais, c'est que Lisa, elle a permis un rapport horizontal avec la figure du maître, puisque Isadora est une figure extrêmement impressionnante, voire des fois un peu dévoratrice, un peu écrasante. Et Lisa a toujours été appréhendée au regard d'Isadora. Par exemple, le public parisien voulait revoir Isadora sur scène, puisqu'Isadora est décédée brutalement à 50 ans, mais ils y voyaient Lisa qui proposait d'autres choses. Elle a toujours été critiquée, comparée à elle. Par effet retour, Lisa, justement, elle a permis d'intégrer ses élèves pleinement avec elle, de leur donner la liberté de créer leur propre danse, de leur donner la liberté de choisir entre une version d'une danse par Isadora ou la version de Lisa. Elle a permis l'oubli dans cette mémoire. Et c'est cette ouverture qui, pour moi, me permet de dire que c'est pas juste le fond de quelqu'un, mais l'histoire d'une filiation. Concrètement, par exemple, au CND, donc au Centre National de la Danse, là où sont actuellement déposées les archives, on a décidé de nommer le fond Lisa Duncan Odile Pyros, parce que, en fait, c'est ni un fond Lisa Duncan, précisément parce que ça ne documente pas toute sa carrière, ni un fond Odile Pyros, puisque Odile Pyros intervient de manière ponctuelle, mais au regard de Lisa. C'est pour ça qu'on a choisi de mettre les deux prénoms côte à côte.
Il y a un autre passage aussi où tu parles bien aussi de ton rapport de toi avec les archives, page 157. Tu dis « De quel droit puis-je user de ces archives au profit d'une ambition purement personnelle ?» Plus loin, tu ajoutes « Est-ce qu'en donnant ces archives à une institution, je ne viens pas figer ce mouvement ? Mon passage dans l'histoire de la conservation de ces archives n'est pas anodin et il vient radicalement changer le destin des documents, comme en tentant de mettre fin au désordre. » Alors en effet, ce que je disais, c'est qu'au début, on m'a donné ces archives pour que je puisse les consulter pour mon mémoire et j'avais cette sensation fantasmée que j'allais juste les regarder sans laisser de traces et j'étais évidemment très précautionneuse, très vigilante et j'avais l'impression d'être juste de passage. Quand je décidais de les prendre avec moi pour me confiner chez mes parents, j'ai vraiment été touchée par ce geste puisque j'avais l'impression de venir les troubler dans leur passé tranquille et qu'elles étaient percutées de mon présent un peu confus, soudain. Et c'est là que j'ai juste pris conscience que, malgré moi, je faisais partie de cette histoire de la conservation et que ma place et ce que je faisais aux archives devaient être pensées. C'est aussi à ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser aux problématiques archivistiques. J'ai tenté de comprendre ce que j'avais entre les mains afin de prendre les meilleures décisions, puisque j'ai pris conscience de ma responsabilité. Et donc j'ai tenté de comprendre quelle était la dynamique interne des archives pour pouvoir prendre les décisions les plus justes et les accompagner au mieux. Mais tu n'as pas fait de formation en archives, donc quels sont les principaux obstacles que tu as pu rencontrer dans ta pratique d'archivage ? Lors de mon stage au CND, contextualiser, parce qu'en effet l'année dernière, j'ai décidé en plus de déposer les archives au Centre National de la Danse, j'ai demandé à y faire un stage parce que je voulais vraiment me familiariser avec leur méthode en archivistique consacrée aux archives de la danse. Il faut savoir que j'ai un goût particulier pour les vieilles choses, de manière générale, dont les archives. C'est quelque chose qui me suit depuis un petit peu, longtemps. Quand j'ai vraiment vu et touché les archives de Lisa Duncan pour la première fois, j'étais extrêmement émue. D'autant plus que j'avais aucun cadre. C'est moi qui... Je pouvais faire ce que je voulais avec ces archives et c'est une relation assez inédite de pouvoir avoir cette intimité-là avec cette matérialité. Cette grande émotion, cette grande sensibilité ont été à la fois extrêmement pertinentes, mais ça pouvait aussi être des obstacles parce que je partais tellement de rien que ce fond, même s'il est assez mince, devenait très précieux. Et je pouvais tenter de lui faire dire plus que ce qu'il pouvait me dire ou d'accorder une importance démesurée à certains documents. Et donc ce que j'ai notamment appris lors de mon stage, lors de mes expériences dans divers fonds, c'est d'avoir une méthode pour prendre une distance avec les documents et être plus efficace, notamment dans ma manière de chercher l'information dans les documents, de me séparer de ce rapport sentimental pour pouvoir vraiment être dans la recherche d'informations et dans de l'analyse. Quand je suis revenue aux archives de Lisa Duncan, j'ai vraiment éprouver cette différence et précisément dans un exemple j'ai notamment pu arriver à la lire, ce que j'étais pas capable de faire, mais comme je me suis entraînée à lire des lettres du 19e siècle et que j'ai fait ce travail là d'archiviste, et bien quand je suis revenue à la calligraphie de Lisa, j'ai enfin pu décrypter ce qu'elle me racontait. Quel conseil donnerais-tu à un ou une étudiante qui aurait à traiter un fonds similaire ou qui se verrait confier un fonds privé sans y être vraiment préparée? Le premier conseil que je donnerais, c'est d'être dans une posture de recueillement et de respect face aux archives et de vraiment prendre soin de cette part du passé qu'on nous lègue et de prendre le temps de regarder plusieurs fois, de contempler, de laisser parler ces documents. Et le deuxième conseil qui est important, c'est de ne pas non plus oublier qu'on fait partie de cette histoire, qu'on en est donc responsable et donc de ne pas perdre le lien avec le présent. Par exemple, dès que je me suis intéressée à l'histoire de la conservation, eh bien, j'ai pris contact avec les personnes qui avaient pris soin de ces archives et ça a été extrêmement bénéfique et enrichissant. Et je pense que c'est très important de garder ce lien avec les personnes et le vivant. On va passer à une partie de l'entretien qui est plus tournée vers le spontané et la rapidité. Je vais te poser une série de questions qu'on appelle les séries de questions à deux sesterces. L'idée, c'est de répondre le plus rapidement possible. Est-ce que tu es prête ? Oui. Oui, ok, très bien. Première question, danse ou histoire ? Danse, histoire. Deuxième question, tu te vois où dans 10 ans ? J'espère dans un moulin qui serait un lieu alternatif danse et permaculture. Un truc que tu détestes dans les archives ? Je pense le moment où il faut écrire des trucs très précis comme
5 pages de feuilles, point virgule, cette partie-là précisément. Ta réaction quand on te dit « Ah, mais ça te sert à quoi dans la vie de faire de la recherche ?» Soit je rigole et je prends ça avec beaucoup d'ironie, ou soit je parle de ce que je fais concrètement et j'essaie de faire des liens avec l'expérience des gens dans leur vie. Quelle place occupent les archives dans ta vie de danseuse professionnelle? Est-ce que c'est principal, secondaire, inexistante ou omniprésente? Eh bien, en tout cas, je pense que c'est central. J'utilise souvent comme support en essayant de ne pas être complètement dépendante et de temps en temps laisser un peu tomber l'archive, mais d'y revenir avec des regards nouveaux et de m'en nourrir quotidiennement dans un dialogue entre le corps, l'archive, le corps, l'archive. Et avant de terminer ce petit entretien, est-ce que tu as quelque chose à ajouter, notamment sur un sujet d'actualité, par exemple? Déjà que vous pouvez aller voir le fonds Lisa Duncan, Odile Perros, au CND, et qu'il y a l'inventaire en ligne. Et en description de la vidéo. Et que je suis actuellement en train de créer un solo, en tout cas une pièce chorégraphique qui naît de mon expérience avec les archives de Lisa Duncan. Merci beaucoup Julie pour cette discussion et ce sujet passionnant. En attendant de se retrouver pour un nouveau podcast ou un nouveau numéro du fonds d'archives, je vous invite à vous rendre dans la description pour approfondir le sujet. Je remercie aussi Chloé qui a bien participé à la réalisation de ce podcast et je vous remercie toutes et tous pour votre écoute. J'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à prolonger la discussion dans les commentaires, à partager et aimer la vidéo et enfin, le plus important, rejoignez-nous sur le Twitter de Fond de l'Archive. À bientôt, ciao. Juste avant l'enregistrement quand même, je vous rappelle qu'on disait qu'elle était parfaite parce que j'ai fait mon grand bruit et je l'ai vu se lever, je me suis dit non. Vraiment, c'est le moment où elle fait le plus de bruit de la soirée. C'est trop drôle, tout à l'heure je mangeais des croquettes, elle faisait pas autant de bruit, ça me tue.